y a une chèvre sur le bord de la route, normal genre. Mais si vas-y, je m'en fous, je sors du champ. Oula, faut pas que je baisse la tête moi. Petit teasing. Enfin, je vous rassure, c'est du papier, les frérots, là, pour l'instant. Je fais des tests de kit déco. J'espère qu'ils vont pas s'envoler mes trucs. J'aurais dû mettre un peu plus de scotch. Cette droite, il se décolle pas, hein. Je cherche un spot pour faire des photos. Parce que je n'ai plus aucune photo pour mon Instagram. Et il prévoit de la pluie pendant 10 jours encore, donc aujourd'hui, là j'ai 45 minutes pour faire, allez, on va dire une vingtaine de postes. Ce serait carré. Si j'arrivais à faire 20 spots différents, ça va être impossible. Mais 20 photos différentes. Oh merde, j'ai roulé dans la merde. J'espère que ça va pas être trop boueux. Wouch 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 wouch. Oh. Oh non. Oh le con. Pourquoi je suis venu là? Elle va être dégueulasse alors que je dois faire des photos, non? C'est pas grave, ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Wesh. Cross ou pas cross? Cross, wesh. On va se calmer, frérot. Oh non 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 non. Wow. Là on est pas mal. Non non non, pas dans l'eau, pas dans l'eau. La lumière est belle, hein. Ok, on est bon. J'ai fait 3-4 fautes. Voilà, là je vais avoir du mal à sortir de là. Oui, oui, oui. Faut que je descende ce putain de truc. La dernière fois que j'ai fait du cross, c'était avec mon Pierrot. Quand il m'avait. Bon, je savais où on allait, hein. Quand il m'avait emmené. Enfin, quand on était allé en haut de notre spot de VTT. Où il y a un spot plutôt sympa pour faire des petites photos. Mais je crois que j'en ai sorti aucune de là-haut. Si, j'en ai sorti quelques-unes de là-haut. J'en ai sorti quelques-unes.
Je vais aller voir sur Insta si ça vous intéresse. D'ailleurs, dédicace à toi mon Pierrot. Mon photographe professionnel. Donc là on va y aller vraiment tranquille parce que j'ai les pneus dégueulasses. D'ailleurs cette série de photos, vous serez les seuls à le savoir, sera avec une déco faite en papier. Voilà. Inspirée de la déco, si vous avez remarqué, de la 690 du Caire, qui est ma prochaine moto en fait. Voilà, je spoil complètement. Mais ma prochaine moto sera une 690 du Caire. Donc là ça spoil vite fait la future déco pour la saison prochaine de cette moto. Mais ça c'est vraiment la V0.1. J'ai vraiment fait ça vite fait hier sur, sur Photoshop. J'ai imprimé cet après-midi. Et là vous l'aurez en photo sur Instagram et dans cette vidéo. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, le papier, ça tient plutôt bien, hein, en mode kit déco. Bon, après, faut pas qu'il pleuve. Hein. Là, faut que je me dépêche, parce qu'il faut que je retrouve le spot, parce que je sais pas exactement où c'est. Et ouais, c'est un spot où j'avais fait des photos en VTT. Vous les retrouvez également sur, sur mon Insta. Et ouais, c'était plutôt sympa. Il y a quelques petites tags sur le mur, donc bon, voilà quoi. Et à mon avis, avec la lumière qu'il y a, ça risque d'être plutôt sympathique. Si le soleil est dans le bon sens, je ne me rappelle plus du tout comment c'est orienté. Donc on va bien voir. Ça va être la surprise du jour. Mais ouais. On va faire gaffe parce que j'ai les pneus encore dégueulasses. On va essayer de les essuyer un peu. Hop. Hop. Faudra que je les lave de toute façon parce qu'il y en a jusqu'à la bande de peur. Donc... Merci bien, mon ref. Il me semble que c'est par là. Après, je suis vraiment sûr de que dalle. Ah là là, cet endroit. Je sais pas si cette vidéo sera sortie l'heure où cette vidéo sort. Mais à notre balade d'Annecy avec mon frérot Léo. Eh ben, on faisait du VTT ensemble à l'époque. C'était très carré. Et on en faisait dans cette magnifique forêt, qui est la forêt de Sivens. Et c'était plutôt carré comme endroit. Après, on s'est dirigé vers le Mont Verdun. Enfin, le Mont Verdun, les Monts d'Or plutôt. Qui maintenant est notre terre-terre à moto. Franchement, je pense que c'est l'endroit où je vais le plus en moto. Le midi, quand je suis en cours, quand j'ai une petite pause, hop, petit Mont Verdun, ça fait toujours plaisir. Le soir, quand tu rentres pas trop tard, qu'il fait beau, hop, petit Mont Verdun, ça fait toujours plaisir. Après, c'est un peu chiant que ce soit fermé le dimanche, le samedi, enfin le vendredi soir à partir de 17h jusqu'au dimanche soir, je crois, ou lundi soir, je sais plus, ou lundi matin. Enfin bref, c'est fermé le week-end quoi, et ça c'est plutôt dommage parce que la route est sympathique. Et donc du coup le week-end c'est plutôt le lac des sapins, notre terre-terre. Voilà. Je sais même pas pourquoi je raconte ma vie là. Mais bon, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc dans mes souvenirs, c'est par là. Après, après là, est-ce que c'est à gauche ou est-ce que c'est à droite? J'irais quand même par là vers Rancé. Ah voilà, c'est là. Putain, il y a un véhicule là. Il y a un véhicule. C'est là? Et oui, c'est là. Ah, je me rappelle. Attends, faut que je trouve le neutre. Ah, y a pas de lumière ici.
pas grave. Ah, je me rappelais ça. Ah ouais, mais ils l'ont changé du coup. Allez, petite coulisse d'une photo. Un petit peu à droite. Hop. Tac. On appuie, on court. On se met là. On regarde l'objectif, on ferme la visière. Et voilà, photo prise. C'est sûr que c'est plus pratique quand t'as un camarade avec toi. Vas-y, on valide. Allez, bon, on a ce qu'il faut pour un petit moment là. Hop, allez. On rentre. Est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir en rentrant? On va passer par là-bas, tiens. Un petit peu de musique? Comment, je l'allume la musique ou pas? Allez, on va se rentrer. C'est que demain il y a cours. Putain, dégoûté. Ma déco. Merde. Ah merde, bah ça a pas tenu. Fuck. Je vais aller ramasser mes papiers quand même. Fuck, bah ça aura tenu le temps des photos quoi. Merde. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, c'est beau là-bas. Hein. Enfin, si je la retrouve, quoi. Ok. Tac. Toujours ramasser ses déchets. Ma déco! Oh, je suis mort. Allez, viens là, toi. Les scotch qui se sont arrachés. L'autre il tient bien. Des sacrées couleurs, hein. C'est magnifique. Et dire que je vais pas voir ça pendant 10 jours, là ils annoncent de la pluie pendant 10 jours.